Mustache! Konichi Barman! Comment ça, là? C'est le 13e épisode! Ouais, pis? Ils ont toujours pas pogné Jack l'Éventreur! OK, sérieux, Paul, va falloir que tu décroches de ça, là. C'est pas fin et bout. Je dors plus! Oh, yes! Ouais, fait que Paul, il y a une rumeur qui court comme quoi t'as décidé de faire une autre critique de film. Oui, j'étais assez déçu du résultat de l'autre, alors je me rattrape et cette semaine, j'ai loué le film La Liste de Schindler. On en écoute un extrait. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est assez long le début, alors moi, je me suis permis de forwarder jusqu'à la fin. On en écoute un autre extrait. Attention aux spoilers! Bon, mais sans grande surprise, c'est pas mal juste une longue liste plate de 3 heures, esti. Moi, personnellement, je donne un total de 0 bec sur un gros total de 8 faces. Personnellement, là, si j'avais voulu lire un livre, le gros, j'aurais fait comme tout le monde, puis j'aurais été m'asseoir d'un petit café fraîchier du Marlène, esti. Moi, tabarnak, je peux plus travailler de même. Je peux plus! T'es calmé, là? Oui, monsieur, et juste à temps pour annoncer la sortie tant attendue du nouvel album d'Alanis Morissette, My Boyfriend Left Me and I Cried But Wrote Some Songs. Wow! On va pouvoir entendre des succès tels que I'm Sad But It's Okay, Why Am I Not a Lesbian, et I Don't Care About You Anymore, So That's Why I Wrote 78 Songs About It. Ça va être malade! J'ai déjà hâte d'être en crise contre les hommes en général. All right, Paul, j'ai une surprise! C'est un oiseau! Non, sérieux, ta gueule. Juste ta gueule. C'est que suite au succès de ton documentaire avec le BBC, j'ai décidé de moi-même réaliser un documentaire... sur les oiseaux. Fait que non! The first pass of art was recorded on the island of Bataan in the Philippines some 3,000 years before our Christ filled his linen diaper with holy poo. A Chinese warlord who had sailed thousands of miles died on the spot that day, and children were slaughtered to appease the gods. Nowadays, spasafarts are part of the common Asian culture, making them common farts. Aromas of cumin and cloves often darken the air as small plants die from direct exposure to the Indian spasafart. But in India, the spasafart can be referred to as an everyday normal funny fun fart. Here's a picture taken at very high speed of one of the most passiest farts ever done by man. The power of spasafarting. If you put the smelliest spicy fart into a hot air balloon, it could travel as high as the stratosphere and only come down weeks after it took off. All of this without using 1 inch of the original smell. The smallest professional spicy farter was a John Rimlow from England, a dwarf who had inherited a congenital disease which made it impossible for him to digest basil. Spasafarts are mostly dangerous to small children, old people, and pregnant women. But a professional spicy farter from Thailand could easily kill a horse with a small, well-placed hot pepper fart. Wow! Thanks. Yellow Big Moustache! It's over, Paul. J'espère, parce que moi, j'ai full envie de pisser. Là. Whatever. La semaine prochaine, on change le nom de Julio Iglesias. On devine le nombre de Cidou que t'as chez vous. Mais là, c'est sûr que c'est 4. Mais là, vends pas le punch, là. Yellow Big Moustache.